Là, on est là, ouais. Ah, on est là. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. À toutes. J'espère à tous et à toutes, bien sûr. J'espère que vous nous entendez bien. Que tout le monde nous entend bien. On va peut-être attendre encore quelques instants pour être sûr que tout le monde puisse venir. Je ne sais pas si vous entendez comme il faut. Premier truc. Bon, si, on nous entend bien apparemment. J'ai quelqu'un qui m'envoie les infos. Bon. Je pense qu'on va lancer cette présentation. Bon, l'idée, c'est qu'on. Avec Monsieur Joliveau, qu'on va présenter, donner le cas d'exemple de la société France PAL, chez qui on a installé une solution, hein, de suivi en fait de la performance des lignes, hein, et de qualification de cause. Donc, on a une présentation. Bonjour à tous. On a une présentation qu'on va lancer. Alors, je vous partage mon écran. Hop, l'écran entier, c'est parti. Et puis donc, on va vous présenter tout ça. C'est parti. J'espère que vous voyez correctement l'écran. Donc, les nouvelles technologies, comment peuvent-elles aider les salariés à mieux produire? Et on va parler effectivement du cas concret de France PAL, chez qui on a installé cette solution. D'accord? Je laisse Monsieur Joliveau se présenter. Donc Florent Joliot, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous et d'avoir eu cette demande par notre prestataire Atelog, avec qui on travaille maintenant depuis quelques années, hein, avec Monsieur Bonneau et son équipe, Monsieur Koenig. Donc je suis directeur général de France PAL. France PAL est une société qui fabrique des palettes en bois. Je pense qu'on a un petit film après qui présentera la Oui, tout société. à fait. Et on a rejoint en décembre dernier, donc il y a un petit peu plus d'un an, c'était le 11 décembre dernier, le 11 décembre de l'année passée, 2020, le groupe Archimbaud, qui est un groupe français qui travaille, lui, sur un peu d'exploitation forestière, du sciage de planches pour les palettes, et qui a 4 unités de production de palettes, trois unités de production de pellets pour les poêles à bois, qui a aussi une unité de fabrication d'électricité, puisque avec les scraps de bois, on est capable de faire de l'électricité, et aussi depuis peu, une unité de production de plots pour les palettes, vous savez, les espaces intermédiaires, en aggloméré qui vient en fait de bois, de déchetterie, pour donc replacer, réutiliser les bois qui sont jetés par l'ensemble des consommateurs que nous sommes. Et notre groupe a aussi, et ce sera rapide pour le groupe, a aussi une unité de production de palettes à Dubaï, aux Émirats, et actuellement on réfléchit à l'implantation d'usines de sciage en Amérique du Sud. Bon, des projets, vous voyez, on n'en manque pas, donc on a rejoint ce groupe non pas par hasard, mais par volonté, quittant le groupe hollandais qui avait repris France PAL en 1994. Voilà, donc j'ai fait moi personnellement, après un parcours une formation de mathématicien, mathématiques appliquées, j'ai fait 20 ans dans un groupe d'électronique grand public, le groupe Thomson, qui a disparu de l'horizon européen. J'ai terminé ce parcours par 6 années au comité de direction de l'usine Thomson d'Angers, comme supply chain manager. Donc vous voyez quelques restes de gestion logistique. Puis depuis 20 ans, j'ai repris la direction générale de France PAL, une société qui en 2001 affichait un résultat des 7 années précédentes de moins 1 million d'euros et qui a été vendu aujourd'hui, il n'y a pas de secret sur le sujet, 8 millions et demi il y a un an. Donc voilà le chemin qu'on a fait avec les équipes, c'est important puisque c'est du succès en fait. Quand on parle avec succès, on peut parler de choses qui marchent. Et ça a été un travail de 20 ans qui s'est appuyé sur une mobilisation de l'ensemble des équipes, puisque une entreprise, c'est son patron, certes, mais c'est surtout tous les employés qui composent l'entreprise. Donc, oui, comme je mets sur le petit document qui est affiché là, j'ai une polyvalence qui me donne une vision assez large de l'approche managériale avec un certain nombre de succès, que ce soit dans l'organisation des équipes, l'organisation des productions ou l'organisation des flux.
Très bien. Alors moi, ça va être beaucoup plus court. Donc moi, je suis donc Christophe Bonneau. Moi, je suis chez Atelog. Je suis plutôt effectivement un consultant en flux, hein, puisque nous, on a une activité de gestion de flux, donc gestion de stock, et aussi une activité performance. Et c'est plutôt sur celle-là de cette activité qu'on va parler aujourd'hui. Et voilà. Donc moi, ça fait aussi passablement une bonne vingtaine d'années aussi que je suis chez Atelog. Donc on a une petite vidéo là que je vais vous montrer pour mettre un peu montrer un petit peu ce qu'est. Alors, vous savez, c'est pour 2 minutes. Donc c'est vraiment sur cette partie-là hein, qu'on a nous à intervenir en fait, hein, que sur cette ligne de fabrication en fait des palettes, on a mis le système en fait de pilotage de la performance. Et voilà. Voilà la présentation donc de l'usine. Hein. L'idée, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, Monsieur Joliveau, fabrication de palettes bois. Donc, vous avez mieux les chiffres en tête que moi, mais. Bon, je peux vous donner quelques chiffres. C'est 6 camions de bois par jour en consommation. C'est 250 jours de travail par an, puisqu'on n'a pas de fermeture. Si ce n'est les samedis, dimanches et jours fériés, et c'est 1,5 million de palettes produites par an, c'est 6, 7, 8 camions par jour qui partent en moyenne. Sur le reconditionnement, c'est 15 camions à l'entrée pour l'entrée et la sortie, on va dire, de palettes qui viennent pour être triées, éventuellement réparées et repartir dans le circuit. On est dans un circuit économie circulaire, hein, c'est réemploi de nos produits avec un minimum d'action dessus. Parce qu'on va changer en moyenne 1,2, 1,3 éléments par palette qui va être réparée. On répare moins de 20% des palettes qui rentrent. Elles sont simplement nettoyées et remises en service. Donc voilà, autrement la palette neuve, donc c'est vraiment beaucoup d'utilisation de matière. Et de plus en plus, un marché qui demande des palettes pour être réemployées, réutilisées. C'est malheureusement pas le lot de toutes les palettes, puisque certaines partent en dehors de nos frontières européennes, on va dire. Et donc, sont sans doute réutilisées, mais pas dans notre environnement direct. Les personnes, il y a une cinquantaine de personnes sur le site, on peut dire, puisque on va arriver à parler du sujet qui est le nôtre aujourd'hui, donc comment est-ce qu'on a fait en sorte de rendre acteurs les salariés de l'entreprise.
On part d'une situation, on va partir d'une situation en 2003-2004, où il y a un constat dans les travaux mécaniques du bois, donc la convention collective qui régit nos métiers, eh bien, comme dans le bâtiment, comme dans d'autres métiers, malheureusement, on a un taux de personnel mal formé, on va dire, au niveau des savoirs de base, puisqu'on a détecté en 2004-2005 12 personnes sur 36 dans l'atelier qui avaient des problèmes avec les savoirs de base. Donc, les savoirs de base, hein, pour éclairer la situation, c'est l'écriture, la lecture et le comptage. Donc, vous voyez, on a les laissés pour compte de l'éducation nationale. Alors, il s'offrait à nous deux possibilités. Soit on élimine, vous voyez comment, un tiers de notre personnel pour en rembaucher des neufs. C'est un peu difficile de parler comme ça. Ou soit on décide de travailler avec eux pour aller vers ce qui, 20 ans après, est complètement opérationnel à 100% pour l'ensemble du personnel, être acteur de sa vie professionnelle, être acteur de son métier. Donc, on a commencé pour un tiers d'entre eux par un travail de longue haleine sur les savoirs de base, ce qui a généré d'ailleurs en 2011 la visite de la première dame de France, Madame Carla Bruni, pour reconnaître notre action. C'était un grand plaisir pour tout le monde. Et au-delà de ça, c'était une première étape qu'il fallait passer. Et aujourd'hui, l'informatisation, le développement de l'ensemble des moyens de communication fait que ça percute aussi les entreprises, y compris les entreprises comme les nôtres. Donc, il était nécessaire de savoir compter, lire et écrire, certes, mais aujourd'hui, il est nécessaire d'aller plus loin, il était nécessaire de se doter de ces outils pour faire en sorte que l'objectif qu'on avait de rendre chacun acteur de son job soit vraiment un effectif qui soit efficace. Et donc, on a mis en place un outil avec Atelog qui permet à l'ensemble du personnel de savoir où il en est, d'ailleurs de savoir ce qu'il a à faire, hein, en quantité, en volume, en rythme, et de savoir où il en est par rapport à ce qu'il a à faire. Alors, très clairement, on n'est pas du tout, et je le crie haut et fort, dans du flicage, on est dans la responsabilité des équipes et des opérateurs. Il est hors de question qu'on puisse se servir, qui qu'on soit, de voir une information qui nous dit qu'on est en retard par rapport à ce qu'on devrait avoir, pour sanctionner. Pas du tout, c'est pour informer. Et quand on a l'information, on est capable ensuite de se mettre en position de décider qu'est-ce que je dois faire si je ne suis pas aux attendus prévus. Voilà. Et c'est dans ce sens-là qu'on a travaillé, avec une information au plus près et qui au plus près du personnel, avec le personnel, et qui faisait suite à des années de travail déjà sur la responsabilisation des équipes. Je le dis souvent, excusez mes mots un peu crus, ce sont les mêmes équipes qui sont là, hein, 20 ans après, enfin à peu près, il y en a quelques-uns qui ont été atteints par la limite d'âge, quelques nouveaux qui sont rentrés, hein, mais comme dans toutes les entreprises, il y a une vie. Mais il y a beaucoup de nos opérateurs qui sont là aujourd'hui, qui étaient là il y a 20 ans. Ils ont eu à passer, et je les en félicite souvent d'ailleurs sur ce sujet-là, ils ont eu à passer d'une situation, excusez mes mots, où quand ils n'allaient pas assez vite, ils prenaient un coup de pied dans les fesses, et quand ils levaient le nez, ils prenaient une bonne bave dans la figure, à maintenant, quand ils vont pas assez vite, c'est qu'il y a un truc qui va pas bien. Et leur métier, c'est d'analyser ce qui va pas bien et de, si possible, prendre des décisions eux-mêmes. Et si c'est pas possible, parce que ça dépend de compétences différentes, par exemple la technique, de faire appel pour que on puisse au plus vite traiter le problème. Alors vous imaginez sur la rapidité, mais la même chose sur la qualité d'un produit. Quand on fabrique 10 000 palettes par jour, il y a personne qui ira visualiser les 10 000 palettes à un moment donné pour vérifier qu'elles sont toutes bonnes. Et malheureusement, on met quelques dizaines de pointes par palette, et il est pas rare qu'une pointe rencontre un nœud dans le bois et sorte de la palette et soit un élément blessant pour le client. Donc, vous voyez bien l'intérêt qu'il y a à ce que chacun soit acteur de son métier et soit en capacité de décider dans l'instant du produit qu'il est en train de faire. Tout à fait. Exactement. Donc c'est bien ça. Donc vous le voyez écrit ici, c'est fondamental. On n'a jamais été dans la recherche de coupables. La recherche de coupables, en cas de problème, ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'analyser ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et si ça va pas bien, ça veut simplement dire on n'est pas en ligne avec les attendus, eh bien se dire comment je peux remédier à l'affaire. Et comment je peux remédier à l'affaire si je peux le faire moi-même puisque j'ai été formé pour ça,
Hein, il faut vous dire qu'aujourd'hui, un tiers de nos salariés en atelier sont conducteurs de lignes de fabrication, pas de machines, de lignes. Et une ligne de fabrication, vous avez vu sur le film, hein, c'est des choses qui empilent une vingtaine d'éléments de production différents. Ça fait 80 à 100 mètres de long, avec quelques robots, quelques systèmes automatisés un peu partout. Et donc, conducteur de lignes de fabrication, ça a été aussi un grand défi pour nous. On a 9 employés aujourd'hui qui sont conducteurs de ligne et 2 nouveaux qui vont rentrer en formation en janvier prochain. On en aura 11 sur une 35aine de personnes dans l'atelier. Vous voyez l'importance quand même que ça a. Donc, bien entendu, les gens sont formés pour prendre des décisions. Ils ne prennent pas des décisions au hasard. Ils connaissent leur métier, ils connaissent le produit, ils connaissent la matière première. Ça, c'est indéniable. On leur a aussi, on a appris ensemble, hein, avec des formateurs extérieurs, bien entendu, à gérer nos outils, à gérer nos lignes, à gérer notre organisation. Et un conducteur de ligne, aujourd'hui, est le patron sur sa ligne. Et si moi, je vais le visiter à un moment où il n'a pas le temps de me recevoir, il a tout le loisir de me dire, avec politesse, bien sûr, je te recevrai plus tard. Pour l'instant, j'ai un problème à gérer auquel tu peux pas, pour lequel tu peux pas m'aider parce que c'est trop technique. Et j'en conviens, c'est souvent trop technique pour moi. Donc voilà, les opérateurs, bon, évidemment, sont en capacité, on verra avec l'outil que va nous présenter Monsieur Bonneau, qu'on a vu, qu'on a mis ensemble en place. Ils voient immédiatement, c'est très visuel, on est resté sur du très visuel, hein. Alors aujourd'hui, très visuel, c'est un écran d'ordinateur, une souris et un clavier, et puis un écran de télévision qui permettent de voir d'assez loin, puisque comme vous avez aperçu dans le film, on est sur des espaces qui sont grands, hein, l'atelier de production de palettes où il y avait 2 lignes de fabrication automatisée. C'est un atelier de 4000 m2. Le site, c'est 5 hectares et demi. Donc, des grands espaces. Donc, il faut voir de loin. Donc, on a des grands téléviseurs pour retransmettre l'information en temps réel. Et derrière, donner la situation du moment, à l'instant T. Et s'il n'y a rien à faire, tant mieux. S'il y a juste à continuer le rythme, tout va bien. S'il y a des modifications à faire dans l'instant, eh bien, on a la capacité à voir ce qui se passe. Alors, c'est vrai pour les productions. C'est vrai pour les changements de série. C'est vrai pour les pannes, c'est vrai pour un certain nombre de choses. On a des arrêts en production et toutes ces informations-là se retransmises en temps réel sur les lignes de production à travers des téléviseurs. Exactement. Donc on va du coup un peu, voilà, l'idée, ce qu'on a dit, hein, aider les outils, aider les salariés à mieux fabriquer, les motiver en fait et qui puissent s'auto-améliorer. Leur donner plus de confiance en fait dans ce qu'ils font, puisque en faisant ça, en plus, ils voient l'impact direct, ça on le verra à la fin dans les bénéfices. Et puis, ce qu'on dit souvent et ce qui est assez, ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'aujourd'hui, on a souvent des salariés qui n'ont pas envie de revenir en arrière et qui n'ont plus envie de revenir au papier crayon en fait et qui sont bien contents d'avoir ces écrans-là, même si ce n'était pas forcément les premiers convaincus du départ en fait. Oui, on est toujours un peu sceptique quand on part à l'aventure, parce que quand on part à l'aventure, il y a forcément une notion d'incertitude. Et dans cette notion d'incertitude, ben, il faut faire confiance au gourou. Hein, et le gourou, en général, dans une entreprise, ben, c'est l'équipe dirigeante. Hein, ce sont les gourous qui disent qu'on veut des fois expliquer, avoir analysé la situation. Bien entendu, même pour nous, il y a une part d'incertitude. Il y a une part d'incertitude et aujourd'hui, et à un moment donné, l'incertitude est telle qu'elle est suffisamment minimisée pour se dire on y va. Et quand on y va, on n'a pas forcément convaincu 50 salariés. Ou 30 salariés dans l'atelier, et il faut donc travailler avec eux. Et c'est un accompagnement, c'est pas je passe d'un point A à un point B en une fraction de seconde, c'est je passe d'un point A à un point B en passant par un certain nombre de jalons, un certain nombre d'étapes. Hein, celle-ci, cette dernière étape de mise en place d'outils, c'était la dernière étape qu'on vient de mettre en place, qui est certainement pas la dernière pour demain, parce que j'espère qu'on a encore un avenir, mais c'était déjà la xième étape. Hein, on avait commencé, je vous dis, par les savoirs de base, on avait commencé par la formation, on avait continué par la formation de conducteurs de ligne, la formation de l'ensemble des opérateurs à des jobs conducteurs de machines ou caristes d'entrepôt pour les gens qui véhiculent les pièces, etc., etc. On avait fait tout un certain nombre de, tout un cheminement qui nous a permis à un moment donné de dire, bon, on est aujourd'hui mature pour passer à l'étape suivante, toujours avec des incertitudes et il faut accompagner. Vous savez, faire sauter l'incertitude dans la tête de quelqu'un, c'est simplement qu'à un moment donné, il soit convaincu qu'il y a plus d'amélioration que de difficultés à gérer. Et donc, c'est sur le terrain et c'est en accompagnement et c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Il faut être convaincu, il faut que les managers soient convaincus, c'est une chose, et il faut aussi arriver à ce que chacun soit convaincu, pas convaincre pour convaincre, mais être convaincu au quotidien, factuellement,
que les choses s'améliorent et qu'on est plus heureux comme ça. Pour votre information, tous nos conducteurs de ligne, depuis la mise en place de l'outil, sont conviés une fois par mois pour une demi-heure de point sur la situation de ce qui concerne la production, c'est-à-dire comment ça a fonctionné, quels ont été les résultats du dernier mois, de façon très factuelle, les unités produites, par comment le rythme, l'efficience qu'on a eue, les pannes qu'on a rencontrées, les solutions qu'on a apportées, les maintenances qu'on a mises en place, ou maintenance préventive, ou maintenance corrective, hein, parce qu'il y a encore de la corrective, encore du correctif dans notre organisation. Il faut savoir aussi reconnaître toutes les améliorations qui nous restent encore à faire. Et puis, on va en discuter avec les opérateurs, avec les conducteurs de ligne pour avoir le retour, le point de vue, comment ça s'est passé pour eux, et ce qui est préparé, est-ce qu'ils ont un feeling sur ce qui va se passer. Et ce feeling-là, il est intégré immédiatement, bien entendu. Hein. On est dans une démarche, alors j'invente rien en disant ça, hein, je ne fais que reprendre les grandes lignes du Kaizen de Toyota 1972, il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés, vous voyez, et on est dans la situation du Kaizen, dans « je ne juge pas, je ne blâme pas », c'est-à-dire chacun est acteur, et pour que chacun soit acteur, ben, il faut permettre à chacun de s'exprimer, il faut aussi donner le droit à l'erreur. L'erreur existe, on se trompe, on arrive tous à se tromper, on n'a pas forcément la science infuse à un moment donné. Voilà. Donc ça fait partie d'une démarche totale managériale. Et l'outil est un outil, et il doit être mis à sa place comme outil, il a toute son importance, mais dans un environnement global managérial. Donc là, ben, on va basculer un petit peu justement sur cet outil, à quoi ça ressemble et comment on l'a mis en place. Donc, aujourd'hui, cet outil, c'est MyScore. Donc, MyScore, c'est le nom de la solution Datalog, hein, de suivi de la performance. Donc, nous, aujourd'hui, on parle de la brique de la performance, en fait, hein, pour pouvoir gérer la qualification des causes et gérer la création des tableaux de bord. Donc, c'est la restitution, la saisie des informations faites par les opérateurs et la restitution sous forme de tableaux de bord qui permettent, comme disait M. Joliveau, de mettre en place derrière les rituels, finalement, de l'amélioration continue, du Kaizen et des choses comme ça. Le builder, ça c'est ce qui vous permet de créer vous-même votre propre tableau de bord. Aujourd'hui, vous ne nous appelez pas pour créer des tableaux de bord. Il y a la même chose en fait sur des écrans de saisie. Le MyScore Connect, ça, c'est ce qu'on va voir aussi, hein, c'est cette petite chose-là. C'est un IoT, donc c'est une technologie en fait des objets connectés qui nous permettent d'aller récupérer des informations sur la ligne de production directement, connectées à l'automate, on va récupérer les informations qui nous disent « je vois passer des palettes », il nous dit combien il en compte, et puis ben, en fonction de cadence qu'on a déterminée, on est en avance, on est en retard, et si on est en retard, quand on est vraiment en retard, ben, il va falloir faire une qualification des causes. D'accord ? Donc ça, c'est l'outil dans sa généralité, comment il est appliqué en fait matériellement aujourd'hui sur l'usine de France PAL. Alors là, on a un exemple sur une des deux lignes, en fait. Alors, je ne sais pas laquelle c'est, je crois que c'est la Coralie, celle-là. Qui va c'est ici. C'est ça. Je progresse. Coralie, ce n'est pas le prénom d'une jeune femme, c'est le nom du constructeur italien de la ligne. Voilà, c'est voilà. Ça. Donc, c'est un constructeur très connu dans le monde de la palette en bois. Voilà. C'est un des majeurs européens de constructeurs de lignes. Alors, ce que vous voyez là, c'est le synoptique de la ligne. C'est un truc qui fait à peu près 100 mètres de long. Hein. Vous voyez, il y a un double flux. Ça va du point numéro 1 au point numéro 18 et en contreflux du point 19 vers le point 23 en contreflux. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, pour vous expliquer comment ça marche, au point numéro 1, on coupe ce qu'on appelle les plots, c'est-à-dire ce qui va permettre de faire l'entretoise intermédiaire entre le plancher d'une palette et puis le dessous qu'on appelle les semelles. Hein, donc, on va couper ça, on va les distribuer sur les points 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour arriver à faire le dessous de la palette au point 8, 9 et 10. Puis, on va retourner la palette au point 10, hein, voilà, pour arriver avant le point 11. Et en contreflux, on aura fabriqué le dessus de la palette, donc 19, 20, 21, 22, 23. Et 23, on va distribuer le dessus de la palette sur le dessous de la palette, assembler au point 11 les deux éléments, puis ensuite faire toute la continuité de la production, c'est-à-dire on va marquer la palette, on va écorner la palette, chanfreiner, on va faire tout un tas de choses pour finir le produit. Et au point 17, l'empiler pour pouvoir, au point 18, ben, en avoir des piles qui vont pouvoir être extraites. Et ces piles-là, vous voyez bien, c'est un convoyeur qui a une longueur finie. Si on ne vient pas dépiler à un moment donné avec un chariot ce qui a été produit, ben, tout le système devant s'arrête. Donc, il faut, pour éviter que ça s'arrête, qu'une information soit transmise du point 18 pour dire, voilà, aux gens-là, c'est plein, c'est en train de se remplir,
venez au niveau du chariot rechercher l'information. Ouais. Donc on va en parler après, c'est non seulement, là on parlait pour l'instant de l'information sur la ligne, l'afficheur qui est en haut, là 148 pour 153, ça veut dire que là pour l'instant on a 5 palettes de retard, on est à 148, alors que théoriquement on devrait être à 153. Bon, vous connaissez les rythmes de production, c'est pas un souci en soi, 5 palettes de retard, on en aura 10 d'avance dans une demi-heure, c'est pas un souci. Bon, la chose dont je parlais tout à l'heure, donc au point 18, ce sera aussi de donner de l'information au cariste, c'est-à-dire sur l'espace des 5 hectares et demi, il y a un cariste qui circule, qui à un moment donné doit être là pour enlever les palettes du point 18, les piles de palettes du point 18. Il n'est pas à attendre devant, hein, il a plein d'autres choses à faire. Par contre, il n'est pas disponible et pas à votre vue. Donc à un moment donné, il faut que dans son chariot, lui aussi, il reçoive une information pour dire « attention, ils vont avoir besoin de moi dans pas longtemps hein. ». Et tout ça, c'est aussi intégré dans le logiciel. Ça a été une deuxième phase de l'application qu'on a mise en place. Mmh. Alors, M. Bonneau nous présentait tout à l'heure le petit système IoT. Ouais. Là. On a mis ça en place chez nous parce que on dispose actuellement sur notre site de 140 000 palettes en stock et de 5 800 mètres cubes aujourd'hui de bois. Et le bois, malheureusement, c'est très compliqué d'envoyer des ondes à travers le bois, qui absorbe oui. très bien les ondes. Donc, du Wi-Fi, ça ne fonctionnerait pas, par exemple. Hein, en extérieur, des grands ateliers, du bois mouillé, il y a tout ce qu'il fallait pour que ce ne soit pas bon pour les propagations. On a mis le système qui va bien, hein, qui permet d'avoir l'information avec zéro rupture. Hein. Zéro perte, ouais, c'est zéro perte, ça fait maintenant 2 ans, hein, ouais. un an et demi, 2 ans. On a zéro perte sur ce genre de truc-là. Donc c'est on a une technologie des objets connectés, là, donc réseau LoRa, qui permet d'avoir une meilleure propagation, des moins bons débits, mais ce n'est pas ce dont on a besoin forcément. Donc avec une meilleure propagation qui fait qu'avec une seule antenne, en fait, aujourd'hui, LoRa, on couvre l'entièreté du site que vous avez vu tout à l'heure hein, sur la vidéo, qui est effectivement assez vaste. Alors comment ça marche, là, le logiciel hein, c'est important de regarder ça, c'est ce qui vous intéresse aussi, d'avoir cet exemple. Bien, vous voyez, vous avez un petit poste de qualification en bas, un ouais. écran, un ordinateur, donc qui est sur la ligne, un poste, je vous montrerai le un détail poste de après. Travail, vous voyez. Hein. Eh bien, lui, quand au point 18, il n'y a plus rien qui arrive, ça veut dire que la ligne est arrêtée. Donc, il se dit, voilà, je ne vois plus de palette arriver. Voilà. Il y a donc un souci. Un incident ici. Il donne l'information, j'ai un incident. Alors, on peut évidemment empiler plein d'incidents, puisque l'urgence du conducteur de ligne et de ses opérateurs avec lui, ils sont en général 3 sur la ligne, hein. 2 opérateurs confirmés et un conducteur de ligne, leur urgence à eux, c'est de gérer l'incident. Donc, ils ne vont pas forcément gérer l'ordinateur en priorité, mais on peut empiler plusieurs incidents sans avoir répondu aux incidents. Par contre, à un moment donné, ils vont... Et en répondant à l'incident, ils vont faire quoi ? Ils vont faire 3 clics. Ils vont faire un premier clic. Choisir l'incident. Voilà, ici. C'est quoi ? C'est voilà. celui-là que je veux déqualifier. Voilà. Donc, je suis sur mon écran tactile, je valide. Et je dis, c'était un problème lié à l'empileur neuf, par exemple, et c'était un problème de distribution. Voilà. Et c'est terminé, j'ai fait la qualification. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on informe, quand on a qu'un seul incident, on n'a pas à en choisir, parce que j'avais oublié une étape, quand il y a plusieurs incidents de rentrer dans le système, parce qu'on n'a pas eu le temps de renseigner le premier incident, on vient renseigner l'incident, donc on fait un premier clic sur l'élément qui a généré l'incident, on fait un deuxième clic. On choisit l'incident, un premier clic sur l'élément qui a. Et après. Voilà, donc le numéro, vous m'avez dit, c'était lequel ? Le 9. Mmh. Voilà, le 9, 9 par tac, exemple, et après je choisis autre chose. Et ça là, peut être de l'organisation, voilà. typiquement, avec des attentes caristes, du réglage, des choses comme ça, des réunions. Voilà, je suis parti en réunion. C'est effectivement un aléa de production. Un aléa de production. Donc le fait que je sois parti en. Et ce qu'il faut préciser, c'est que quand on a choisi l'élément, quand il y a un élément technique qui est en panne, on a choisi par exemple le 9, là. La batterie de panne potentielle est liée à l'élément 9. Exactement. Vous ne trouverez pas un cloueur bouché si ce n'est pas une machine de clouage, hein, comme élément de panne. Voilà. Donc, alors que sur un système de clouage, on a la potentialité de dire si c'est on un va clouage. Avoir... On a donc fait des séries, des listes de panne potentielles par élément. Voilà, donc un deuxième clic pour pouvoir dire de quoi il s'agit, c'est quoi le problème, la valeur, et un troisième clic pour confirmer. Voilà. Donc 3 clics. Hein. L'élément qui est en panne, la panne, et je confirme. Voilà. Après, l'évaluation de cette panne, ben, ce sera le temps d'arrêt, tout simplement. Le temps d'arrêt qui est chronométré par le temps qui passe. Exactement. C'est une panne importante qui a duré 1 minute, 27 secondes, 27 minutes, 36 secondes. Bon, on a l'information immédiatement. Dès que ça redémarre, ben, ça veut dire que c'est la fin du problème. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et on a remplacé d'un coup des grandes feuilles A3 sur lesquelles on avait un découpage.
L'opérateur pouvait noter à chaque fois tout un tas de choses. Ces feuilles-là, il fallait les reprendre, les entrer dans un ordinateur pour pouvoir en faire des tris, des synthèses, etc. Et vous voyez bien, ce qu'on a découvert, c'est un truc, vous allez voir, c'est assez génial parce que c'est tellement trivial. On a découvert que la panne principale d'une équipe, ben, ce n'est pas celle qui a duré 20 minutes, c'est peut-être celle qui est arrivée 1 minute 30 fois, parce que celle-là, elle a duré 30 minutes. Mais elle était d'une minute à chaque fois, donc on ne s'en est pas vraiment, vraiment aperçu. Mais on l'a eu 30 fois. Et à la fin, elle est plus importante, elle est 50% plus importante que celle qui a duré 20 minutes. Et le vrai problème de la journée, ce n'est pas la panne de 20 minutes, c'est celle qui est arrivée 30 fois une minute. Bon, vous allez me dire, c'est trivial, mais c'est des choses à côté desquelles on passait quasiment à chaque analyse, puisque ce n'était pas le problème. Le problème, c'était les 20 minutes. Hein, là, je vous donne des chiffres qui ne sont pas les chiffres réels, mais c'est souvent 30 ou 40 fois 20 secondes. Et ça, on ne le voit pas, les 30 ou 40 fois 20 secondes. Et on va voir le caillou dans la chaussure. Et voilà. Et donc ça, d'un seul coup, ça nous a permis de changer, d'améliorer nettement nos priorités de correction. Parce que, comme chez tout le monde, hein, on ne sait pas tout traiter d'un coup, on est obligé de se donner des priorités. Et on n'a pas trouvé beaucoup mieux que le Pareto. C'est pareil, c'est encore un truc japonais, tout ça. Mais c'est quand même un truc vachement simple. On va trier en se disant, on va d'abord traiter, si possible, le truc qui nous embête le plus. Et ça, souvent, c'est du traitement qu'on peut avoir tout de suite sur l'atelier, sans que ça ait à remonter au niveau de la direction de production, et a fortiori, sans que ça ait à remonter au niveau de la direction du site. Hein, là, on n'est pas dans un investissement nouveau à mettre en place, ou un plan de maintenance préventif qu'il va falloir recalculer, revoir avec tout un tas de choses, avec des coûts complémentaires, etc. Non, on en est dans, on va apporter une solution parce que le petit truc qui nous arrivait 30 fois, c'est juste trois boulons à revisser ou un composant, un capteur qui est mal placé ou qui a pris un coup de bois ou un coup de je sais pas quoi, hein, qui est tombé de son socle. Et c'est des trucs tout bêtes comme ça. Et d'un seul coup, on va énormément améliorer la vie de l'opérateur, parce que vous savez, les opérateurs qui sont devant une ligne ou une machine qui fonctionne pas, ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce que leur rôle, c'est de produire et de produire à un rythme attendu. Hein, encore une fois, on n'est pas dans des trucs insensés, on est dans ce qui doit être fait et dans ce qu'on est capable de faire. Je vais dire ça comme ça. Et voilà. Donc, c'est énormément d'amélioration de la vie, on va dire, de la vie dans son environnement de travail. Et vous voyez le petit outil à côté, donc on a indiqué la 755-723, ça c'est le nombre de palettes produites à un instant T. Alors on était le 14 décembre 2021, on l'est à 16h47, vous voyez, donc c'est quelque chose d'hier, c'était hier, une photo le d'hier. Le hier ou le matin, effectivement, comme vous disiez, on était dans le rouge, ben, on avait rattrapé tranquillement l'après-midi. On avait rattrapé. Voilà, et globalement, en termes d'équipe, après on a un roulement en fait un peu sur les équipes et un cumul semaine, etc., qui fait qu'effectivement, on a eu peut-être un début de semaine un peu difficile, mais qu'à la fin de la semaine, on devrait être revenu dans du vert tranquillement. Alors, trois fonctionnalités avec l'outil. Première fonctionnalité, c'est de savoir en temps réel où on se situe. Vous voyez ici, il y a une chose qui est indiquée aussi sur l'écran qui est très intéressante, c'est marqué pause dans 12 minutes. C'est-à-dire qu'en plus, on a des pauses préprogrammées. Vous savez que la législation nous oblige, quand on travaille plus de 6 heures, à avoir une demi-heure de pause. Alors dans notre organisation, c'est 5 minutes au bout de 2 heures, 20 minutes au bout de 4 heures et 5 minutes au bout de 6 heures. Voilà. Donc, on a des pauses calées comme ça. Par contre, la pause de 5 minutes, vous voyez, c'est très compliqué. Hein, quitter son poste de travail, aller à la salle de pause, passer aux toilettes, prendre sa cigarette pour celui qui fume ou un café pour celui qui boit le café, c'est court. Quand ils sont à 755 pour 723, si la pause dure 10 minutes, tout le monde s'en fout, moi le premier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le timing soit tenu. On n'est plus, on n'est vraiment pas dans du flicage. On est dans de l'information du conducteur de ligne qui, sans rôle hiérarchique, a une équipe à faire fonctionner, à un programme à faire, un client à satisfaire. Et ben, derrière, s'il est à jour, il est à jour. Moi, que sa pause dure 3 minutes ou qu'elle dure 10 minutes, ce n'est pas mon souci s'il en avance sur son objectif ou même s'il est dans l'objectif, tout simplement. Pourquoi ? Parce que si on fait 100 ou 200 ou 300 palettes de plus tous les jours ou toutes les équipes, très rapidement, devant, les bois ne seront pas coupés à longueur. Donc, je vais avoir un autre problème à gérer ou alors mon fournisseur ne m'aura pas livré. Donc, c'est tout un cheminement logistique qui est imbriqué et ce cheminement logistique nous permet de suivre le timing prévu. Et ce timing prévu, il est évidemment calculé par une équipe méthode et il est mis en œuvre, je tiens aussi à le préciser, il est mis en œuvre dans l'atelier pour validation. Et c'est la validation avec les conducteurs de ligne qui fait qu'un programme méthode est validé. Hein, on n'est pas dans la recherche de la performance pour la performance, on est dans la recherche de la production, de ce que l'outil est capable, et l'outil au sens large, hein,
machine et homme, homme et machine, est capable de faire. Et donc ça, c'est la première information. La deuxième, on l'a vu tout à l'heure, c'est la saisie des pannes. Hein. Et puis la troisième, c'est aussi la gestion totale de la journée, c'est-à-dire les pauses. Un changement de série, c'est la même chose. On va passer, vous voyez, on est en train de faire le code 2874, qui est indiqué en bas. On est à la 3606e palette sur un lot de 5000. Donc on est vraiment dans une photo qui a été prise. Quand on va passer au code suivant de palette, donc on va passer au bout de 5000 à une autre palette, il va y avoir un temps d'ajustement. Alors vous avez vu, la ligne, c'est un truc qui vous a dit qui fait 80 mètres à 100 mètres. Il y a 650 points de réglage. Hein, et l'objectif, c'est de régler sur cette ligne-là, sur laquelle vous avez pris la photo hier, c'est moins de 3 quarts d'heure. Moins de 3 quarts d'heure. Alors bien entendu, il y a des points, il y a juste le programme robot à changer, ça va relativement vite. Mais il y a des endroits, c'est je prends la clé de 17 et je règle un écartement pour le passage du bois. Voilà. Il y a 650 points à gérer. Donc, vous voyez, le truc, c'est vraiment un système qui se met en place, un changement de série. Et donc, le changement de série va venir s'afficher. À la place des 755 et des 723, là, vous allez voir, changement de série en cours, vous avez exactement, pour passer du modèle A au modèle B, un calcul qui a été fait, vous avez, par exemple, 57 minutes pour le faire. Et puis, progressivement, on va décroître, pour arriver à zéro et normalement, on devrait démarrer. Si on est en retard, c'est pas grave, le système va vous dire, vous auriez dû redémarrer il y a 1 minute, il y a 3 minutes, il y a 4 minutes. C'est pas important, mais on a l'information. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert? Ben, c'est tout simple. On sait en moyenne qu'il nous faut, par exemple, pour être simple, 1 heure en moyenne de changement de série. Sauf qu'on a des changements de série qui sont de 10 minutes, et on a des changements de série qui sont 1 heure et demie. Parce que entre deux palettes successives, des fois, il n'y a pas grand-chose à changer, on n'a pas les 600 points à régler. Et donc, on n'a que 10 minutes, hein, et d'autres fois, on a 1 heure et demie. Qu'est-ce qui se passait avant? Quand on passait du modèle A au modèle B avec un temps de changement de 10 minutes, bah, comme tout le monde savait qu'il avait 1 heure, en général, ça prenait 20 minutes. Et on réglait, on peaufinait, on faisait les choses bien, très très bien, mais on perdait 10 minutes. Et quand on était sur un changement pour passer du modèle A au modèle B, où c'était 1 heure et demie, alors que la moyenne, c'est 1 heure, à partir d'1h05, tout le monde commençait à stresser. 1h10, il y avait les sueurs qui arrivaient sur le front. Et 1h15, on démarrait quand même parce qu'on avait un quart d'heure de retard. Résultat des courses, on faisait 4 piles de palettes mauvaises avant de finir le réglage. Bon, c'était une réalité, c'est une réalité du quotidien. Là, aujourd'hui, on a la bonne information. Passer du modèle A au modèle B, il faut tant de minutes, c'est affiché sur l'écran. On le sait, il n'y a pas de problème. On n'est pas dans le stress. On est vraiment dans le système qui est aidé. On est vraiment dans l'aide à l'opérateur. Et c'est vraiment ça qu'on veut faire. Et si je vous ai dit assez rapidement, et ça a peut-être échappé à certains, que les opérateurs, les conducteurs de ligne, hein, c'est les conducteurs de ligne qu'on mêle, dans les réunions mensuelles, ils ont voix au chapitre pour dire attention, entre le modèle A et le nouveau modèle C qu'on a commencé à faire ce mois-ci, on a eu un temps de réglage qui était beaucoup trop court par rapport à. Est-ce qu'on peut le revoir ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça peut être une mauvaise séquence par les opérateurs. Un mauvais calcul par les méthodes, les deux nous sont arrivés, vous savez, tout le monde a droit à l'erreur, et on va corriger le tir pour affiner et faire en sorte que la prochaine fois, on soit dans le vrai. Notre idée, c'est pas encore une fois de chercher la productivité pour la productivité, c'est d'avoir factuellement les véritables informations et les bonnes informations, et avoir une bonne information de base pour pouvoir après analyser sur la base d'informations propres. Réaliste, tout à fait. Et réaliste. Tout à fait. Donc voilà, toute cette partie-là, restitution, ça, donc moi je vais rajouter simplement que ça, c'est effectivement plutôt, moi, ce qu'on appelle du monitoring temps réel, le fameux écran en plein milieu de l'atelier qui donne tout de suite une photo, une vision à l'opérateur aujourd'hui qui travaille sur sa ligne, qui de toute façon, effectivement, doit d'abord produire et faire que sa ligne tourne, et quand elle est en arrêt, ben, d'abord aller retourner et la faire redémarrer. Et puis ici, des choses qu'on peut effectivement... pour de l'analyse, en fait, donc là, plutôt dans du reporting, des choses, effectivement, qu'on doit à la direction, qu'on doit au groupe, des choses comme ça, mais surtout qui nous permettent de mieux comprendre, de face à ces données toutes fiables et factuelles qu'on a récupérées des lignes, on va pouvoir se créer autant de tableaux de bord qui vont nous permettre de mettre en place des choses. Et ce que vous disiez tout à l'heure de l'opérateur qui avant saisissait sur un papier, faisait ressaisir, et c'était souvent lui en fait qui ressaisissait sur un tableau Excel et faisait ses petits tableaux de bord. Là, l'idée, c'est que les données saisies par les opérateurs de production sont directement disponibles. Et notre opérateur, en fait, notre responsable de maintenance, par exemple ici, lui, il a automatiquement ces données et il revient à son métier de base qui est justement de l'analyse et de la mise en place de plans d'action
Donc, essayer de transformer beaucoup plus de maintenance préventive que de curatif, même si effectivement, le curatif, on est obligé d'en faire, puisque de toute façon, alors, ça arrive encore. Concrètement, sur ces petits tableaux qui sont là, la première utilisation, c'est en fin d'équipe. Il faut voir, bon, dans nos travaux, on fait quand même beaucoup de poussière. Donc, on a un rituel. Hein. Chaque fin d'équipe, il y a 20 minutes de nettoyage sur une ligne. Ça veut dire que la ligne s'arrête de produire 20 minutes avant le top fin de journée. Hein, donc, on fait 5h, 13h, 13h, 21h. À midi 40, la ligne arrête sa production et nettoie pendant 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, le conducteur de la ligne va recevoir le technicien de maintenance présent au moment et l'assistant du responsable de production pour une réunion de 5 minutes. Et ils vont venir avec le tableau factuel de ce qui s'est passé au niveau des pannes. Et ils vont en discuter ensemble avec voilà ce qui s'est passé depuis le début de l'équipe, hein, le classement Pareto des problèmes avec évidemment le cumul de la panne qui est arrivé X fois. Exactement. Qui va être positionné, et de là ils vont ensemble décider, bah, on va pouvoir corriger le tir tout de suite avant que la deuxième équipe redémarre, ou là on est sur un truc qui va nécessiter une intervention maintenance, auquel cas cette information va remonter à la réunion quotidienne qui dure 20 minutes dans le bureau du chef de production tous les jours avec le patron de la maintenance qui est là, où là ils vont décider peut-être de changer le plan de maintenance, d'ajuster, de faire une opération ponctuelle à un moment donné. Et si c'est vraiment un gros, 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 gros problème, ça arrive hein, des fois, une machine qui casse et on a réparé rapidement le truc pour que ça continue à marcher. Mais c'est pas très efficace, on a besoin de racheter un matériel qui va coûter 50 000, 60 000 euros, ça va tout de suite remonter jusqu'au niveau de la direction. On va avoir une cellule de crise qui dit, bon, bah voilà, on faut qu'on lance ça, c'était pas dans le budget, mais aujourd'hui, on a une casse et il faut réparer, qu'est-ce qu'on fait? Et on va donc prendre des décisions par rapport à ça au plus vite et au plus près de l'action. Voilà. Et ces petits tableaux-là, tout simples, tout bêtes, hein, des petites courbes, des petits histogrammes, qui vont être en mesure de nous dire l'importance du problème. Et l'importance du problème qui, après, va être encore réévaluée, donc d'un point de vue financier, par les gens qui sont chargés de ça, la maintenance en général, l'équipe production. Et on va essayer, tout au moins, hein, assez fréquemment, quand même, c'est le cas, les bonnes décisions pour corriger le tir au plus vite. Exactement. Et donc un petit complément là sur ce qu'on avait évoqué ensemble là sur cette partie appel cariste. Hein. Donc là, ben, vous voyez un peu la typologie effectivement. Là, c'est une photo vraiment au plein cœur de la zone bois en fait extérieure. Donc comme disait Monsieur Joliveau, on a des Fenwick, enfin des chariots qui se déplacent avec des opérateurs qui eux approvisionnent des palettes, approvisionnent en fait des palettes du bois comme ça sur les lignes de production, doivent aussi faire les évacuations, donc ne sont pas forcément, non pas en visuel en fait la mat palette qui vient s'entasser au bout d'une ligne, et inversement le pilote de ligne lui n'a pas en visuel justement le cariste qui est en plein milieu du parc bois. Donc, il va pouvoir, en fait, sur son écran, switcher, en fait, hein, vers un écran, en fait, d'appel cariste, qui est, en fait, le même synoptique de ligne, mais qui va donner, en fait, des points stratégiques, en fait, d'approvisionnement ou d'évacuation. Donc, quand je clique sur du bleu, c'est de l'approvisionnement. J'ai besoin d'approvisionner du bois de tel type de bois. C'est des plots, c'est des palettes, c'est des planches, etc., des pointes. Toute la matière première. Et puis inversement, à des endroits, en fait, ici plutôt en vert, là, c'est une évacuation. C'est que là, bah, on avait nos fameuses palettes, là, les piles de palettes commencent à s'amonceler. Et le problème, c'est que, bah, à un moment donné, si on n'évacue pas, on va arrêter la ligne. Donc c'est pareil, là, il y a une urgence. Ça tombe donc via le réseau LoRa, encore une fois, hein, sur un IoT qui est intégré. En fait, là, on a fait un boîtier. Hein, donc ça, c'est votre collègue de la maintenance qui a intégré en fait la tablette, le boîtier LoRa et puis branché à l'alimentation en fait du chariot. Eh bien, on a une tablette ici qui va nous afficher la mission en fait qui peut être envoyée à un ou l'autre des caristes en fonction de leur un cariste dédié à l'évacuation, un cariste dédié à l'approvisionnement, des choses comme ça, ou dédié à une ligne, des choses. On va pouvoir faire ce type de paramétrage. Il va retrouver ici ses missions en attente et quand il va la valider, en fait, c'est aussi l'intérêt en fait du LoRa dans cette technologie, c'est que c'est de l'échange bidirectionnel. On va pouvoir avoir un acquittement en fait et on saura en fait que cette mission a été prise en compte et est en cours de traitement. Voilà, d'accord. Donc tout ça avec l'intérêt que effectivement on aurait pu faire des choses relativement simples en Wi-Fi, sauf que ça aujourd'hui, si on avait voulu
câbler, couvrir tout ce site en Wi-Fi, on aurait été, voilà, vous allumeriez la nuit maintenant. Ouais. Donc voilà, donc ce qui est important, vous voyez ici, c'est l'anticipation. Alors on a évidemment des points automatisés, hein, l'évacuation dont on parle tout à l'heure, c'est un point automatisé. C'est un point automatisé qui est suffisamment anticipé, on a mis le capteur suffisamment tôt pour que le cariste ne soit pas dans le stress non plus. Il a une information et il sait que l'information vient du capteur, parce qu'on peut aussi avoir une information qui vienne de l'écran pilotée par l'opérateur et son clic. Voilà. Par contre, il a l'information, évacuation demandée, et il sait si c'est d'ailleurs c'est marqué, on le voit en rouge sur l'écran à droite, tablette 1, demande auto, ça veut dire que c'est une demande automatique hein, qui a été transmise. Donc, il a le temps. Là, il sait qu'il a quelques minutes devant lui pour pouvoir réagir. Si c'est l'opérateur ou le conducteur de ligne qui est venu faire un clic pour dire là, ce coup-ci, c'est bien hyper vite, important, là, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a déjà dépassé quasiment le temps imparti qui nous était réservé par la demande automatique. Et là, on n'a toujours pas vu le cariste, il n'a toujours pas quitté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est passé? Et on lui renvoie un deuxième message. Bon, on a des messages qui sont aussi qui peuvent difficilement être automatisés, hein, comme le réapprovisionnement de pointe. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le paquet de pointe dans notre organisation, c'est quelque chose qui fait entre 800 kg et 1,2 tonne. Hein, ce n'est pas les petits paquets de pointe qu'on utilise à la maison. Donc, vous voyez, c'est, voilà, c'est pas chez le roi Merlin. Donc, voilà, il faut un chariot pour les apporter, il faut les mettre en hauteur auprès de la machine. Enfin, ça se manipule pas à la main. Hein. Donc, il faut absolument le chariot qui soit là. C'est la même chose pour les paquets de bois. Vous voyez, les paquets de bois, on en voit derrière sur l'image. C'est des paquets de bois qui font 400 planches. On en consomme 6 camions comme ça par jour, de paquets comme ça. Donc, vous imaginez bien qu'il y a quand même une fréquence d'approvisionnement. C'est pas toutes les 30 secondes, mais c'est quand même relativement fréquent. Et il y a deux phases aussi là-dedans. Il y a l'approche du bois dans une zone d'approche, on va dire. Et puis après, il y a le positionnement des bois auprès de la machine, puisque l'opérateur, il faut lui éviter aussi de se promener, enfin de faire des kilomètres à pied pour aller chercher des bois. Je ne l'ai pas dit, mais on est sur des métiers rugueux, hein, des métiers rugueux où dans l'atelier, on travaille avec des bouchons d'oreille, c'est 95 décibels en permanence dans l'usine. On a de la poussière de bois, hein, c'est quand même pas toujours très, très, très facile. Et puis, on a des espaces ouverts en permanence, hein, 4000 m² de bâtiments de production pour les lignes de palette, là, avec des grands trous qui sont ouverts en permanence, qui font 8 mètres de large sur 4 mètres de haut pour pouvoir passer les bois. C'est quasiment tout le temps ouvert. On pourrait pas se permettre d'avoir des systèmes de fermeture. Donc, ça veut dire qu'on est à la même température qu'au dehors. Donc, c'est des fois 40 sous les tôles en fin de journée l'été. Et puis, ça peut être moins 5 le matin à 5 heures, voire moins 7. Bon, c'est quand même des métiers rugueux. Et donc, il faut prendre tout ça en considération aussi. Et un opérateur qui manipule des planches, on parlait de ça, de l'approvisionnement des planches. Et sur certaines palettes, on va doubler les opérateurs sur une machine, puisque sinon, il dépasserait les 20 tonnes de bois manipulées en 8 heures. C'est vrai, par petit paquet de 5 planches, mais 20 tonnes, on n'a pas besoin de la salle de sport le soir. C'est gagné, la journée est gagnée. Donc, on est sur des métiers rugueux. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître que c'est des métiers compliqué, et on a d'autant, je dirais, plus le soin, de soins à apporter, à l'aide à ces opérateurs-là, sur toute l'ergonomie qu'on peut apporter autour. Alors l'ergonomie, c'est le physique, mais on va dire aussi, j'allais dire, l'ergonomie mentale. Et je tiens à dire que le logiciel qu'on a mis en place, le système qu'on a mis en place avec l'aide d'Atelog, qui est très performant aujourd'hui, simple et performant, il apporte énormément d'ergonomie dans la tête. Parce que il enlève du stress. On sait ce qu'on a à faire. On n'est pas dans l'incertitude. On amène de la certitude. On sait où on est. Et quand on sait où on est, on prend les bonnes décisions. Voilà. Et on est là pour aider les gens à prendre des bonnes décisions. Aujourd'hui, ils apprennent à prendre des bonnes décisions. Ils ont appris à prendre des bonnes décisions. Et le logiciel est très contributif par rapport à cette volonté qu'on avait de développement. Voilà, ben on a fait le tour et on arrive justement à cette conclusion. Un petit souci d'affichage, mais voilà. Sur les bénéfices, donc ça c'est la fin avant les questions-réponses, s'il y en a. Hein, c'est les bénéfices. Donc ben, les bénéfices, en fait, effectivement, en fonction de qui. Hein, donc là, les bénéfices opérateurs, alors, M. Joly, vous en avez parlé. Oui, pour les opérateurs, hein, voilà. La valorisation des fonctions, forcément. Alors, derrière tout ça, il faut savoir que, je vous dis, il y a toute une action managériale. On a formé des opérateurs confirmés, donc ça veut dire une certaine classification suivant notre
convention collective des travaux mécaniques du bois, c'est on a formé des conducteurs de lignes, des conducteurs de machines, des conducteurs de lignes. C'est aussi une certaine classification. Qui dit classification dit rémunération. Donc c'est aussi la valorisation des métiers dans tous les sens du terme. La valorisation en tant que ben, je suis en capacité de prendre des responsabilités, les responsabilités qui sont les miennes, que j'ai apprises à contrôler, que j'ai appris à contrôler, que j'ai appris à mettre en œuvre. Je suis aussi rémunéré pour ça. J'ai une vision des impacts et de l'impact des choix, c'est-à-dire que on a des choix à faire hein, quand on produit, quand on a des outils à gérer. Tout fonctionne pas comme on voudrait, et même si ça fonctionne comme on voudrait, hein, votre voiture, si vous n'avez pas de compteur, vous ne savez pas à quelle vitesse vous roulez, vous arrivez dans une zone dangereuse, ben vous ne savez pas, vous êtes à 50, à 60, à 80. On s'est doté de l'outil qui vous donne l'information. On sait à quelle vitesse on va, on sait si on est en conformité avec ce qu'on devrait être, avec ce qu'on attend de nous. Donc c'est des choses aussi, ça simplifie la vision et ça simplifie les saisies, puisque vous avez dit, en trois clics, on a saisi la nature d'un problème et sa localisation. Avant, c'était le remplissage d'une feuille A3 qui était découpée par demi-heure, même ou par quart d'heure, dans lequel on écrivait au crayon ce qui s'était passé. Après, il fallait décoder. Vous savez bien, tout le monde n'a pas une écriture. Je vous ai dit, il y en avait déjà un tiers qui ne savait pas bien écrire. Donc, tout le monde n'a pas une écriture lisible. Hein, moi, le premier déjà. Et puis, derrière ça, il fallait ressaisir, refaire une analyse. Aujourd'hui, on a la saisie est faite en trois clics et l'analyse est directement disponible. Avant la fin de l'équipe, je vous dis, pendant les 20 minutes de nettoyage, on reçoit le document. Donc voilà, pour l'opérateur, c'est quand même une simplification de tâches qui ne sont pas toujours des tâches évidentes. Et c'est au moins une grande amélioration, j'allais dire, du confort de vie hein, au travail. Pour la maintenance, bien évidemment, c'est des données factuelles sur ce qui se passe. Là, on est qui on équipe maintenance, on me dit plus, ah ben non, là, le problème en ce moment, c'est ça. Non, c'est pas ça parce qu'on a trouvé les pièces pour réparer. C'est ça le problème. Vous voyez, là, tous les jours, le système nous dit, c'est ça le problème. Et derrière, la question qui se pose, c'est, ben ouais, on a l'urgence, on connaît l'urgence. Quand est-ce qu'on va pouvoir traiter cette urgence? Alors, si possible, le plus vite possible, c'est ça le problème de traiter une urgence, c'est le plus vite possible. Mais on a l'information, on sait quoi. Et puis, on est capable aussi de faire des analyses. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois? Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers 6 mois? Qu'est-ce qui s'est passé sur tel type de machine? Qu'est-ce qui s'est passé sur telle fonctionnalité? Parce qu'on a des fonctionnalités identiques mécaniquement ou électroniquement ou robotiquement ou ce qu'on veut ou sur les lignes. Hein, et on va pouvoir comparer deux choses différentes qui sont presque bâties pareilles, mais pas tout à fait. On aperçoit, il y en a une qui a beaucoup moins de problèmes que l'autre. On en parlait ce matin avec le responsable de la maintenance. On a un outil identique qui s'appelle un pin grip qui prend des panneaux, un gripper, en fait, une espèce de robot, et sur une des lignes, il est installé d'une certaine façon, sur l'autre ligne, il est installé d'une autre façon, et on s'aperçoit, il y en a un qui a deux fois plus de problèmes que l'autre, donc on s'est posé la question de l'installation du truc, et on s'est dit, bah, priorité de l'année, on va faire un projet, c'est quand même un petit truc de 100 et quelques mille euros, hein, on a à peu près estimé ce matin comme ça, pour pouvoir transformer ça, parce qu'en fait, on est capable de calculer un ROI, on est capable de dire, bah, le retour sur investissement, il va être hyper rapide, parce que même si on revient pas mieux que la ligne d'à côté, on divise par deux nos problèmes, et divisant par deux nos problèmes, on a un retour sur investissement de 6 mois. Donc, les 100 000 euros, c'est vachement intéressant. Donc, on va le faire. Hein, voilà. Donc, ça, c'est vraiment du très factuel pour la maintenance, pour l'instant, hein, c'est-à-dire les corrections dans l'instant, qu'est-ce que j'ai à faire en priorité. Et puis, pour demain, je suis capable de faire des analyses assez fines de ce qui se passe, et puis de pouvoir apporter des améliorations avec à la fois un coût et un retour sur le coût. Et ça, c'est fondamental, parce que il faut convaincre, moi aussi, je suis comme tout le monde, j'ai des actionnaires à convaincre. À un moment donné, je dis, voilà, il faut 100 000 euros. Ils ne disent pas, bon, ben, vas-y, on me donne le chèque. Non, c'est comme chez tout le monde, hein, il faut 100 000 euros, certes. Et vous savez, des 100 000 euros, on peut en faire des chèques de 100 000 euros, un peu plus que le nombre de chèques dans le carnet. Donc, il faut choisir les bons. Hein, où est-ce que je vais pouvoir améliorer mon système, que ce soit de la machine ou que ce soit les hommes. Pour le directeur de production, ben, il a, lui, des données fiables en temps réel, parce qu'évidemment, toutes ces informations qui sont sur les écrans sont accessibles sur tout le réseau informatique. Donc, n'importe qui a, on l'a pas forcément installé sur les ordinateurs de l'administration et des finances, mais on l'a au niveau de la production, là, au niveau de la maintenance, de la direction, on peut à n'importe quel moment savoir ce qui se passe sur une ligne, c'est-à-dire sans se déplacer. Bon, voilà, j'entends dire qu'il y a un problème, mais tout de suite, je peux voir la nature du problème. Je me connecte, ah oui, effectivement, on a 500 palettes de retard, et donc je vais pouvoir, moi, me renseigner, me déplacer, aller voir ce qui se passe.
D'où, des fois, le gars qui me dit, pour l'instant, je n'ai pas besoin de toi, parce que tu vas pas m'apporter de solution technique. Mais ça, c'est pas grave, il faut savoir l'accepter, c'est pas très important. C'est aussi le souci de ce qui se passe dans notre atelier. Et puis, pour la fonction direction, c'est vraiment, on est en droite ligne, on est dans la poursuite de ce qu'on souhaitait faire, rendre les opérateurs acteurs de leur métier. C'est fondamental, ça faisait partie de l'objectif numéro un, faire en sorte que l'entreprise, je vais dire, se dirige opérationnellement avec l'ensemble de ses acteurs, chacun à son rôle. Donc, il faut bien définir les rôles, certes, mais il faut aussi donner les bons outils à chacun pour qu'ils soient en capacité à remplir le rôle qu'elle tient. Voilà un petit peu la vue complète de ce qui a été mis en place chez France PAL. Je ne sais pas si aujourd'hui, si là, à ce moment, vous avez des questions. N'hésitez pas à les mettre dans le chat participant. Et puis, dans tous les cas, on est à votre disposition pour donner encore plus de précision. Donc, Monsieur Jouliveau pour le côté opérationnel et vraiment, et puis nous, en fait, pour la partie mise en place d'un outil de ce type. Donc voilà. Hein. Je ne sais pas si vous avez des questions. A priori, j'en vois pas. Mais voilà. C'est qu'on a été clair. Je pense que vous avez été clair. On était trop clair. Bien entendu, en joignant M. Bonneau, vous pouvez obtenir mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Et si certains d'entre vous sont intéressés pour une visualisation sur le terrain, alors ce sera un peu plus bruyant, bien sûr, hein, il y aura un peu plus de bruit sur le terrain, mais je vous fournirai les bouchons d'oreille qui vont bien. C'est des choses qu'on peut voir, je reste évidemment disponible pour ce genre de choses. On peut organiser une visite à la fois du site, à la fois des installations qui ont été faites. On peut même discuter, si on a l'occasion de passer au moment d'une pause avec les opérateurs. Ce que je dis, moi, c'est ma vision. Et on a tous une vision, évidemment, différente suivant l'endroit où on est assis, ou debout d'ailleurs. Mais c'est important aussi de discuter avec les opérateurs, qu'eux, ils aient derrière, qui donnent leur ressenti, c'est quoi. Et vous pensez bien que je ne les ai pas briefés, j'ai briefé personne, chacun est libre de sa réponse. Et aujourd'hui, si je vous donne cette opportunité-là, c'est parce que je sais ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on a des opérateurs qui, quand l'écran s'éteint, ça arrive, il y a eu une télé en panne il n'y a pas très longtemps, il n'y a plus d'écran. Les gars sont venus quand ils m'ont vu passer dans l'atelier, ils m'ont dit « comment on peut travailler ? On ne peut pas travailler, on ne sait pas où on en est. » Voilà, alors parce que c'est un outil. Et évidemment, j'ai tout de suite réagi à la réunion hebdomadaire avec mes équipes en disant « on ne peut pas se passer, il faut qu'on ait un télé d'avance, parce que quand il y a un télé qui tombe en panne, ben, il faut qu'on soit capable de le remplacer au même titre qu'un moteur électrique ou un capteur ou un machin, etc. » Pour les opérateurs, c'est un même outil. Bien sûr, on sait faire des palettes sans l'écran qui nous affiche, mais ils ne savent pas où ils sont. Et quelque part, c'est un outil qui leur manque, c'est l'outil n'est pas complet. Donc, ça ne coûte rien d'avoir un téléviseur d'avance. On va avoir un téléviseur d'avance dans un placard, et puis en cas de problème, ben, on est capable de faire une intervention de maintenance. On remet trois boulons, on met un télé en place, on recable, et puis c'est reparti. Voilà. Parce qu'évidemment, l'information n'est pas perdue. L'information, elle est mémorisée au niveau du serveur, elle est disponible sur les terminaux sur les partout, PC. Sur les PC, mais elle n'est plus dans l'atelier. Et quand elle n'est plus dans l'atelier, tout de suite, on a l'opérateur qui vient vous voir, enfin le conducteur de ligne, tout au moins, qui lui va dire, attendez, comment je fais pour piloter? On m'a cassé mon compteur. Donc, on va le réparer, c'est du matériel. Hein, le matériel, on a malheureusement... Les téléviseurs, c'est les téléviseurs du commerce. C'est dans votre environnement, effectivement, assez contraignant. Ça peut effectivement arriver. Ça arrive. On a eu une, pas lui, il y a deux semaines, trois semaines. Et tout de suite, on avait la réaction. Donc, c'est pour ça que je suis assez confiant sur l'acceptation de l'outil. Ouais. Et c'est fondamental, ça aussi, faire en sorte d'avoir un outil qui aide. Un outil, c'est fait pour aider, c'est pas fait pour contraindre. Je m'insurge contre mes pairs qui de temps en temps mettent en place des systèmes de flicage. Alors là, je suis complètement opposé à ce genre de choses. Dans notre métier de manager, on est amené de temps en temps, malheureusement, à faire la police, et ça fait partie de notre rôle. Bon, là, c'était pas le cas. Là, ce qu'on voulait, c'est donner le pouvoir. C'est donner le pouvoir au terrain, au plus proche de l'action. Donner le pouvoir au plus proche de l'action, c'est obtenir le meilleur de vos équipes. J'en suis convaincu. Alors, ça nécessite tout un environnement.
ce n'est pas qu'un outil, c'est tout un environnement. Je n'ai cessé de le dire cet après-midi. C'est toute une préparation qui peut prendre plusieurs années avant d'en arriver là et qui, à mon avis, on n'a pas vu les outils de demain parce que la technologie avance tellement vite, je pense que demain, on mettra des outils encore plus performants. On est déjà en train de réfléchir au passage de l'ERP directement les informations dans les chariots. Aujourd'hui, on n'en est pas là parce que ça va trop vite. Et je vais vous dire, l'opération chariot qu'on a mise en place avec l'information qui vient de la ligne, c'est dans mon esprit, prioritairement, alors c'est dans l'esprit du manager, prioritairement pour habituer les opérateurs de flux, c'est comme ça que je les appelle, les caristes dans notre organisation, à l'outil informatique embarqué. Je veux leur faire prendre conscience que c'est du naturel, c'est aussi naturel que ce qu'on appelle encore un téléphone qu'on a dans la poche et qui est depuis longtemps un ordinateur. Mais c'est naturel. Et donc cet outil dans le chariot, c'est naturel. C'est un truc dont on a besoin. Et quand on n'en a pas, ben, ça nous manque. Et le jour où cette acceptation, qui est en train de venir très, 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 très vite, hein, elle va être complètement efficace, ce jour-là, on peut passer à l'étape supplémentaire. J'ai plus d'informations encore qui m'arrivent et je sais gérer parce que déjà, je n'ai pas l'appréhension de l'outil. Et je sais que derrière, ben, ça va être un outil, ça va m'aider. Voilà. Et on va pouvoir passer peut-être à une phase, à mon avis, quelques mois, quelques années, une phase où les ordres de fabrication, c'est-à-dire la liste des pièces détachées, la liste des matières premières à approvisionner à un point, elle arrive là, elle arrive de l'ERP. Elle arrive, elle est là, il n'y a pas de feuille intermédiaire, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Et derrière, on a des gens qui se sentent responsabilisés, qui travaillent avec des outils, je vais dire modernes, utilisons le mot, des outils d'aujourd'hui, hein, sans être en avance sur son temps, des outils d'aujourd'hui, et des outils qui sont plus faciles à gérer que le bout de papier. Hein, le bout de papier, il faut aller le chercher, il faut le randonner, il faut marquer dessus. Là, ça va tout seul. On acquitte avec son doigt, on tape trois chiffres, hein, ça va vraiment tout seul. Et il faut démystifier un peu tout ça, et il faut pour ça, à mon avis, passer des étapes. Hein, c'est un peu ce qu'on essaie de mettre en place chez nous. Des étapes qui font qu'il y a l'acceptation de l'outil, puis après, on y va un peu plus dans l'outil, un peu plus dans l'outil, avec, bien entendu, l'acceptation de l'équipe qui gère. Tant que vous n'avez pas l'assentiment positif des gens qui gèrent, mettez tous les outils que vous voulez, ça ne marchera pas. Il faut mettre les outils avec les équipes, et ce n'est pas du wording, ce n'est pas des réunions, c'est vraiment du factuel. On met en place un truc, on le teste, on regarde, puis on ajuste. On mesure, on ajuste, et puis à un moment donné, on passe une étape. Je dis souvent, alors c'est un peu, c'est des images simples, hein, c'est pas de moi, l'idée c'est de ne pas faire de révolution, jamais faire de révolution, et alors plein de petites évolutions. Et ça déjà, ce sera, vous êtes sur le chemin. On avance, et puis de temps en temps on se trompe, on fait un petit peu marche arrière, puis on repart. Et ça fait partie des choses à mettre en place. Donc les outils, oui, et les outils à la vitesse à laquelle on est capable de les absorber. Et là, c'était aussi, Atelog nous a bien aidé hein, dans le domaine, puisqu'on a défini un outil ensemble, et on l'a mis en place avec progressivement, en étape. Avec des étapes. Et ça, ça faisait partie de notre cahier des charges, ça faisait partie de notre cahier des charges, et ça a été bien suivi, ça a été bien fait. Et aujourd'hui, je ne serais pas là sans ça, hein. Je ne viendrais pas vous le dire si je n'avais pas été... J'ai satisfait du travail qu'on a mis ensemble. Très bien. Eh bien, on va clôturer ce webinaire. Merci à tous de l'avoir écouté. Merci encore, M. Joliveau, pour votre intervention. Et puis, on reste à votre disposition pour des questions ultérieures. N'hésitez pas. Ça a été un merci plaisir. À tous. Bonjour. Enfin, au revoir. Pardon, au revoir à toutes et tous. Merci. Bonne soirée, Joliveau.